Biggs, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer? La Mako est quasiment épuisée. Le réacteur est toujours en marche, mais il ne pompe plus rien du tout. C'est-à-dire? La rivière de la vie est complètement à sec. Oh. On pourra s'exciter autant qu'on voudra. La planète est déjà condamnée. Ah, bordel! Attention! Eh, faut faire attention avec les bombes, c'est dangereux, hein. C'était la bombe, c'est tout. Du début à la fin, j'aurais pas été à la hauteur. Pourquoi c'est moi qui ai survécu? Pourquoi c'est moi qui ai été choisi? Tu l'as bien vu? Je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Faut pas dire des choses comme ça. Je le savais. Le destin m'a pas choisi, en fait. Il m'a laissé sur place. Oh. Mais non, dis pas n'importe quoi. Regarde-moi, par exemple. À mes yeux, t'es pas n'importe qui. C'est pour ça que je suis ici. Je te remercie. Mais pourquoi? Eh ben, parce que... Ouais, ça aurait été la pagaille si le réacteur avait explosé, hein. Et même si le monde est condamné, il fallait que tu m'arrêtes. C'est pas faux, en effet. Mais surtout, je m'inquiétais pour toi. Eh ben, dis donc. T'es trop sympa, toi. Non. En vrai... Je ressentais le besoin d'agir. Je voulais faire un choix. N'importe lequel. Le fait de choisir, ça m'ouvrait une voie. Et alors, j'avais tout un monde nouveau devant moi. Je voudrais tellement retrouver ma vie. Ah. Hey, Biggs. What? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est arrivé? Allez, Biggs! Eh ben, c'est mal barré. Si ça se trouve, c'est le destin qui veut ça. Mais en fait, c'est quoi le destin? Qui est-ce qui en décide au juste? C'est moi qui décide! C'est moi qui choisis! Mais il était pas avec Ojo, enfin il est à la Shinra il y a 5 minutes lui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oh. Nice, au revoir. Tant pis. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas choisis? Disons que ça manquait un peu de passion. Et la demoiselle est triste. Mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? Faut profiter de chaque instant. Bye. Tant pis. Alors, ensuite... Attends une minute. Faut qu'on parle d'abord. Tout le monde est bizarre. C'est pas seulement toi. Tu pourrais me dire ce qui se passe? Ouais, dis-nous ce qui se passe. Tu le sais, je suis sûre que tu le sais. Bon. Allons à notre endroit. D'accord? Où ça? Tu t'en souviens pas? Un endroit que j'adore, très reposant. L'église. Allez, c'est un bon indice, non? L'église? L'église! Ah, tout le temps le flash blanc. Ah, Zach est à l'église maintenant. Cloud. Biggs.
Iris. Comment je suis censé choisir? Ah. C'est féroce. Hey! Non mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi es-tu là? Disparais. Ok. Et puis là, c'est où déjà? Sephiroth. Alors, c'était toi. Ça se terminera pas comme ça. L'hôpital de fleurs jaunes qu'elle aime bien, Iris. C'est là-bas que je dois aller. En route. C'est ici notre endroit. Pas vrai? Gagné. C'était pas dur. Il faut dire qu'on a peu de souvenirs. C'est pas grave. On s'en fera. Vraiment? Tu le penses? Oui. Oui. Bien sûr. Merci, c'est gentil. J'avais besoin de l'entendre. Tu sais, Cloud, je tiens à toi. Enfin, comment dire, c'est compliqué. Je ne sais pas bien quel sentiment j'éprouve. Iris, ça va pas? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Je suis désolée. Surtout, ne t'en veux pas. Tiens, prends-la. Mais c'est un souvenir de ta mère. Cette materia sauvera le monde. Il le faut. J'y crois. Tu dois y aller. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, retour à la réalité, je crois.
voilà les coulisses de l'univers. Ouais, c'est compliqué les coulisses de l'univers. Hein. Quand le mur du destin est brisé, un nouveau monde fait son apparition. Notre planète se décline en différents mondes. Une multitude de reflets. Ok. Certains d'entre eux perdurent, et d'autres s'évanouissent aussitôt. Même ceux qui subsistent longtemps disparaissent un jour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'être affligé. Ces mondes qui s'éteignent retournent tout simplement à la planète. Et ainsi, il contribue à prolonger sa vie. La vie parcourt notre planète. Hélas, si la planète meurt, la vie s'éteint aussi. Sephiroth ne pense qu'à lui-même et à la planète. Il est prêt à tout faire pour la préserver. Malheureusement, il est complètement dans l'erreur. Comment ça va? J'ai besoin de ton aide, Cloud. Non, t'auras pas mon aide. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. Oh, le joug. Plus que 7 secondes avant l'apocalypse. Mais il est encore temps. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. Tu dois couper tes liens avec le passé. Mais ça va, on est dans le brouillard, mais ça va. Réunion des mondes. Quand elle sera achevée, ils ne formeront plus qu'un. La réunion. C'est la réunion des mondes. Réunion. J'ai rien à voir avec ça. Tu renies encore l'évidence. Dans ce cas-là, je vais t'aider un peu. Réjouis-toi. Je t'offre ma bénédiction. Ouais. Pas sûr de se réjouir de sa bénédiction. J'en sais rien, moi. Cette chose n'a rien à faire là. Tu mérites une punition. Eh, Cloud, t'es gentil, la matéria, tu la perds pas. Hein. Oh! Yeah. Alors, je sais pas si vous êtes dans le flou, mais moi j'avoue que là, je suis dans le flou total, complet, et vraiment total. Non, essaye pas de taper l'arbre, Cloud, faut taper le monsieur qui est de l'autre côté de l'arbre. C'est mieux. Pour ça, vous faire le tour de l'arbre, mon très cher Cloud. C'est mieux. Bon, pour moi, en tout cas, Cloud a l'air d'avoir repris ses esprits.
à peu près. Je crois, je suis pas sûr. Je sais pas où est-ce qu'on est, mais on y est. Il y a Iris qui nous attend, mais la matéria, ok. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Une forêt de cristal, c'est joli, hein. Cloud, on s'est retrouvés. Tu t'en es tiré? Sephiroth aussi est là. Il est tout prêt et il nous observe. Oui. Je sais. Mais maintenant, tu dois penser uniquement à toi. Ça, c'est pas possible. Ça va, t'inquiète pas. Trouve ta vraie personnalité. Pense seulement à toi, s'il te plaît. Hein? Oublie Sephiroth. Laisse-moi m'en occuper. Je dois l'arrêter. Avant qu'il utilise la matéria noire. Il n'y a que moi qui peux y arriver. En tant que Cetra. Merci. Grâce à toi, j'ai son pouvoir. Prends-la. Garde-la. On dirait une simple bille de verre. Iris ? Iris ! Il est vrai que la Iris de notre monde, sa matéria était transparente. Elle en avait parlé. Mais la Iris du monde de Zack, elle était bel et bien blanche. Du coup, là, il a récupéré la matéria de l'Iris du monde de Zack et il l'a ramenée dans celui-là de monde. La matéria. Et c'est pour ça qu'elle vient de lui donner la matéria qui est translucide. Puisqu'elle en avait parlé à Rad, enfin à Nanaki. Que sa matéria était transparente. Pourquoi je ne sais pas. Mais du coup, oui, il a récupéré la matéria du monde de Zack. Je crois qu'il n'arrivera pas à avancer. Les fileurs, ils ont dit nope, c'est nope. Et ça, je crois que c'est ce qui s'est vraiment passé pendant que tout ce qui vient de se passer là, pendant que Cloud est dans les vapes, qui fait des rêves bizarres, on sait pas quoi.
Iris! Iris! Hé, attendez! Elle s'est réveillée. Cloud! Cloud, tu vas bien? Ouais, ça va. Avec ces histoires de Mako et de dégénérescence, j'ai bien cru qu'on t'avait perdu pour de bon. Merci de m'avoir porté. Tu pourras me remercier plus tard, t'en fais pas. Cherchons d'abord Iris. Elle nous a dit qu'une cité ancienne se trouvait au-delà de cette forêt. Et que là-bas, il y avait un hôtel des prières des Cetra. Elle a dit qu'il fallait à tout prix qu'elle y aille. À cause de Sephiroth, parce qu'il a pris la Materia Noire. S'il l'utilisait, il serait capable de détruire la planète. Heureusement, Iris a dit qu'elle pouvait empêcher ça en tant que Cetra. Comment est-ce qu'on y va? Seule Iris connaît le chemin. Elle a disparu dans le brouillard. Et maintenant, elle est toute seule. Il faut vite la retrouver. Oui. On suit les serpillères? Par là-bas. Tu m'as l'air drôlement sûr de toi. Je suis guidé par le destin. Oh, guidé par le destin. Ok, c'est la merde. Iris m'a dit quelque chose. Il paraît que Sephiroth t'a mis une sacrée dérouillée quand on était au temple des anciens. Non, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Ah bon? Alors, pourquoi tu lui as donné la Materia Noire? Eh bien... C'est pas la peine d'essayer d'avoir l'air cool, tu sais. T'as raison. Il m'a mis une dérouillée et il m'a pris la Materia. Je suis désolé. Faut dire que c'est lui qui lui a donné. Ça aurait été différent si j'avais pu t'aider. T'inquiète, Yuffie, c'était la merde et il lui a donné volontairement, mais... Pendant tout ce temps-là, ouais. On voyait tes yeux bouger sous tes paupières. J'appellerais pas ça un rêve. En tout cas, tu voyais quelque chose, pas vrai? Ouais. J'étais dans un autre monde. C'est comme s'il y en avait plusieurs sur cette planète. Je vois. Mais je serais bien incapable de l'expliquer. T'inquiète. Ouais. J'aime autant qu'on n'en parle pas maintenant. Ouais, on parlera de tout ça plus tard. Et faudrait un petit peu dénouer ce bordel devant moi aussi, ça serait bien. Je le trouve plutôt étrange. Ouais. De temps en temps, j'ai l'impression d'y voir des fileurs. En effet. Il y en a plein, ouais. Les fileurs sont les gardiens du destin. Ouais, pareil. Mais alors, le fait qu'on ait été séparés d'Aeris... Ça faisait donc partie de notre destin? Oui. C'est possible. Tout ça, c'est pas très rassurant. Oui, certes. Mais tout ça, c'est le bordel aussi. Moi, je tiens à vous le dire, c'est vraiment un bordel compliqué. Cloud, je voulais te dire... Je t'écoute. Si jamais tu te sens pas bien, ou que tu te mets à avoir des idées bizarres, j'aimerais que tu nous en parles sans attendre. Comment ça, des idées bizarres? Je sais pas, moi... Si tu t'imagines que je suis pas la vraie Tifa, par exemple. Désolé. T'en fais pas pour ça, mais faut vraiment que tu nous parles. Que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Je te le promets. Bah, vraiment que tu racontes tout, Cloud, parce que bon... Des déraillages, c'est compliqué à gérer, sinon. Clairement. Cloud. Ok. Ah oui, j'avais oublié qu'il était là. Auprès des autres, mais j'avais pas encore eu l'occasion de te parler. Je suis profondément désolé de vous avoir volé la pierre Cléo Goldsaucer. Je savais le danger qu'elle représentait, alors je m'étais dit que ce serait mieux de la donner à la Shinra. C'est bon, oublions ça. Ah, je te remercie. Tu es vraiment magnanime, Cloud. Non, c'est seulement que j'ai pas le temps de réfléchir à ce que tu as fait. D'accord, je vois. En tout cas, si ça peut te rassurer, sache que je suis prêt à tout pour vous aider. Ok, Kay, c'est notre copain à nouveau, c'est bon. On va dire qu'il a fait une bêtise et que c'est pardonné, on passe à autre chose. C'est copain maintenant. Tout le monde est copain. Moi, j'aime avoir des copains. Les copains, c'est cool. Ok. Waouh. Ouh, Vincent, il est là aussi. Le sanctuaire des anciens, où ils se réunissaient pour prier. La fameuse cité perdue. Je ne pensais pas la voir un jour. Oh,
Je me souviens. Oui, je pense que c'est bien ici. Si je ne me trompe pas, c'est la cité perdue. C'est le nom de la cité légendaire des Setra. Mon grand-père m'en avait parlé. Je suis sûre qu'il y a un hôtel des prières. Ça a trop l'air d'un sanctuaire. Bon, il faut vite qu'on retrouve Aeris. Et voilà les fileurs. Ils vont encore sûrement nous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que je pense. Ouais. Des fileurs noirs. Ce ne sont pas des gardiens du destin. Ce sont des serviteurs de Sephiroth. Rejoins-moi vite, Cloud. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est pas vrai! Sephiroth! Ok. Ok. Aeris, tu peux prier. Réunion. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent, des torrents de tristesse et de colère affluent, fortifiant ainsi la planète. Magnifique sinon, à part ça, très joli. On peut le taper. Ok, c'est parti. Non mais les filières blancs, normalement c'est cool. Par où on va? Par là. Ok. Excusez-moi, je cherche le chemin, on avance. Ça va taper. Non, les filaires blancs, ils sont gentils normalement. Non? Non? Bon, bon, on les tape. Oh, on tape tout le monde. C'est bon, c'est pas grave. On est plus à ça près maintenant. Pourquoi il y a des sauts au niveau du sol? Il s'est passé quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Y'a tout qui part en vrille! Y'a tout qui dégénère! En plus, j'ai plus Aeris. Ça, c'est moche. C'est Maï, l'Aeris! Vous avez pas le droit de me la prendre! Rendez-la-moi! Combo surpuissant, vas-y, Tifa. Montre-nous la puissance de tes combos. Voilà! Non, mais les fileurs, ils sont généralement beaucoup trop nombreux. Allez, vas-y, Tifa! Voilà, c'est comme ça qu'on tape. C'est bien. Perfect. On continue, on va peut-être changer un petit peu. Pas perçante. Vas-y, Tifa. On a tout raté. Ouais, Tifa, bravo! Chiché à toi. Du coup, on va rester sur le... Ah, t'en as transversante, les autres, non? Ça peut le faire? Ça peut le faire? Mais t'arrêtes de bouger, toi! Je crois qu'ils aiment bien mettre des malus et je crois que... un petit peu de soin serait clairement le bienvenu. Clairement, ouais. Ouais. Éventuellement. Peut-être une petite analyse aussi. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'analyser tout ça. C'est pas vraiment de faiblesse, un peu de résistance.
Si au moins 3 sont présents, il crée un sceau magique conférant des effets bénéfiques et des altérations d'état à l'équipe. Leur cœur rougira s'ils sont fragilisés après avoir créé un sceau magique. Ou ils sont réduits à 2, d'accord. En gros, faut éviter qu'ils soient 3. S'ils sont 3, c'est pas cool. S'ils sont moins de 3, c'est cool. Lui, il devrait pas tarder à décéder, en théorie. Voilà, normalement, ils sont plus que 2. S'ils sont que 2, c'est cool. Il n'y a plus de saut, il n'y a plus de machin bizarre, il n'y a plus rien. Tu peux me le toucher, Barrette, ou... Voilà, c'est bon, rien de moins. Réfléchissons vite, réfléchissons bien et agissons de façon responsable, bien évidemment. Ma vocation, faut peut-être pas abuser. On va peut-être pas y aller à l'invocation tout de suite. Bientôt peut-être, mais peut-être pas tout de suite, non? On a les blancs, on a les noirs tapent les blancs tapent les noirs, nous on tape tout, et puis voilà. Ok, Barrette. Non, merci. J'essaye pas. Cloud, il veut passer. Il passe, Cloud? Non. Ça va finir encore en combat de 1 contre 1. Et j'aime pas les combats en 1 contre 1. Tout va bien. Prenons 2 secondes pour admirer cet endroit magnifique. Ok. Excusez-moi, je passe. Je pousse tout sur le chemin, mais c'est vraiment très joli. Magnifique. J'aime beaucoup la déco. Vraiment très joli. Petit ascenseur en plus. C'est parfait. Les serpillères gâchent un peu la vue. Mais sinon c'est très joli. Waouh. Ça, c'est de la cité. Trop de serpillères, par contre, hein, vraiment. Il y en a beaucoup trop, mais très joli. Regardez-moi un petit peu cet endroit. Alors, Aerys prie dans l'hôtel, dans l'espoir d'arrêter Sephiroth. Un lieu de repos se trouve un peu plus loin. Vérifiez bien l'équipement de chaque membre du groupe et préparez-vous à la bataille. Ok, ça, quand on dit ça...
Ça veut dire, regarde là ici, t'as un petit point pour te sauvegarder, pour te poser, pour revoir ton équipement pour tout le monde. Ils ont bien précisé pour toute l'équipe, pas uniquement pour Cloud. Du coup, réfléchis bien à ce que tu vas faire, parce que là, ça va taper violent. Alors, prépare-toi bien. Voilà, on te vend 3 giga potions en promotion, 2 super éthers en promo aussi, avec des queues de phénix. Là, le jeu, il est en train de te dire, attention, la violence arrive. On a un petit bracelet pour Kay, honnêtement, on va le prendre. Voilà. En termes de matériel, je pense que je suis pas trop mal. Parce qu'ils ont vraiment dit pour toute l'équipe, alors... Mais il a plus rien d'équipé. Mais non, mais ils m'ont tout retiré, les trucs de Kay. Ah ! Bah bravo. Ah bah bravo. Faut tout lui refaire, bah bravo. Augmente l'effet des soins en combat. Ouais. Ouais. Non, on s'en fiche. Non, on s'en fiche aussi. Ça, on peut lui équiper. Par contre, faut refaire toutes ces matérias, sérieusement. Attendez, parce que je lui ai mis le bracelet des Cetra, mais il n'y a pas de... Eh, le bracelet des Cetra, il n'y a pas de matéria dessus. Du coup, on va peut-être plutôt lui mettre le protège-bras de Cetra. Ouais. Ouais. Niveau invocation, est-ce qu'il en avait une? Non, donc c'est bon. Bon bah là on est parti pour 5 minutes pour lui faire refaire toutes ses matérias lui. Bravo. Non. Ok, on peut peut-être lui mettre un vent accompagné de élévation de matériaux. Non, clairement pas. J'ai plus rien, j'ai rien d'autre. Mais toutes mes matérias sont prises, en fait, j'ai pas beaucoup de matérias. Mais ça craint si Kay, il y va sans matérias. Ça craint. Mais elles sont passées où d'ailleurs ces matérias? PM augmenté, ça on peut lui mettre clairement. Non, on peut lui mettre une garde renforcée, oui. Je vais lui mettre un petit peu les restes, en vrai, à Kay, hein. Chance augmentée. J'ai pas quelque chose que je pourrais mettre dans les bleus. Dans les bleus, il n'y a plus rien, on est d'accord qu'on est à sec en termes de matériel bleu. Ouais, on est totalement à sec. Dans les jaunes, on est à sec également. Dans les vertes... on peut lui mettre un petit foudre. Ça sert toujours. On a une vente. Faudrait une soin. Les soins, j'en ai plus. Faudrait voir, on a acheté une. Attendez. Achetons des matérias pour Kay parce que je sais pas où sont passés ces matérias. Moi, je veux bien que vous me retiriez le perso. On va acheter une petite soin. Tac. Hâte, on peut en prendre une, vas-y. Réduit de 25% la durée des effets d'altération d'état. Peut-être on va lui prendre une analyse. On n'a jamais trop d'analyse. Une petite PV augmentée. Eh, ça me paraît pas mal.
Eh ben, heureusement que je vérifie, parce que bon, si ça se trouve, il va même pas se battre, hein, Kay, et du coup, on s'en fiche, mais je ne suis certaine de rien du tout. Dans le bleu, on est d'accord que j'ai rien acheté. Non, c'est dans les jaunes. Du coup, il y a l'analyse. Analyse, c'est tout ce qu'il y avait. PV augmenté. PV augmenté. Ah, mais on peut lui mettre le gain d'XP. Bon, c'est pas incroyable, mais... J'avoue que Kay va être très mal... équipé. On peut lui mettre la compétence d'arme automatique. Ouais, va pour la compétence spéciale aussi automatique. De toute façon, je lui mets vraiment les restes. Du soin. Et vent. Et je crois que c'est tout. Non, il y a celle-là que je peux lui mettre. Et une dernière. J'ai pas assez de matériel. Ok, voilà, il est équipé. Tout le monde est équipé, c'est beau. On peut y aller parce que le jeu, il nous dit attention, ça va taper. Donc, bon. On peut pas dire que Kay soit super bien équipé, mais au moins, il est équipé. On va se rasseoir sur le banc, juste au cas où. Voilà. Faut se poser sur les bancs, c'est bien, c'est important. Ok, c'est parti, let's go. J'espère que vous êtes prêts. Et cet endroit est magnifique. Et je passe totalement à côté des escaliers. Mais ça, on le dira pas. Okay. Je casserai pas les cristaux ici. C'est trop joli. On casse rien ici. C'est trop mignon. C'est vraiment superbe. Mais trop de serpillères là. Vous gâchez le paysage. Hein. Je tiens à vous le dire. Planète, Cetra. Entendez-moi. Je vous en prie. Prêtez-moi votre force. Je suis le dernier être sur cette planète à partager votre sang. Et pourtant, je ne connais pas vos prières. Je suis désolée. Aeris ? Elle est là. Mes amis sont très importants pour moi. C'est pourquoi je veux les protéger. Voilà mon souhait. Je n'ai besoin de rien d'autre. On n'y voit rien! Trop de serpillères! Iris! Je vous en supplie.